sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra, la capitale ghanéenne. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, a dans son allocution de bienvenue salué la présence des chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il les a félicités pour les efforts sans cesse déployés pour faire face à cette maladie à virus Ebola. Lui emboîtant le pas, le président de la commission de la CEDEAO a rappelé l'importance de la mise en place d'un fonds de solidarité à cette même fin à l'occasion de la 45e session ordinaire de la communauté. Autre fait majeur concernant toujours Ebola, la remise d'un chèque d'un montant de 1 500 000 dollars, soit environ 750 millions de francs CFA par le président béninois Yahi Boni. Il s'agit d'une marque de solidarité des pays de l'UMOA envers les trois pays touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Décision prise lors du 20e anniversaire de cette institution qui s'est déroulée récemment à Ouagadougou. Et puis concernant la situation au Burkina Faso, la rencontre d'Accra entre